Salut, salut toi. Alors, bienvenue dans le premier épisode de la nouvelle série de jeux vidéo sur donc Spyro le dragon. Alors, à chaque épisode, on va jouer 1 heure à Spyro à peu près. C'est des gameplays que j'ai capturés de ma PS4 que j'ai mis de ma PS4 à mon ordinateur sur donc la nouvelle enfin, sur le Spyro Reignited Trilogy, donc la remasterisation avec des graphismes actuels. Et donc c'est un gameplay, donc c'est pas en direct, je vais pas jouer en direct, c'est un gameplay enregistré et je vais commenter par-dessus. Alors j'espère que le son du jeu sera pas trop fort. C'est un premier épisode test. On baissera si c'est trop fort. Allez, on est parti. Spyro Reignited Trilogy. Donc ça c'est le contrat de licence. Commencer. Sauvegarde 1, 0%. On a les trois jeux. Là, je venais vraiment d'allumer le jeu, donc je découvre un petit peu. Et là, on lance le premier Spyro, du coup. Je sais pas si on va entendre la vidéo comme il faut. Tout est si paisible dans les 5 mondes, ou bien est-ce 6? Depuis une éternité, nous possédons 12 000 trésors, ou bien est-ce 14 000? Et à propos de ce Gnastig Nork, bon, je sais qu'il a découvert un sort pour transformer les gemmes en guerriers à son service. Je vais vous répondre. Gnastig Nork est une créature simple. Simple? Il a été exilé dans un autre monde et n'est plus une menace pour le royaume des dragons. Plus une menace? Et en plus, il est moche. Moche? C'est le bouquet! Hein? On dirait que je vais avoir du travail. Et voilà, il a transformé tout le monde. Sauf Spyro, évidemment, sinon on pourrait pas jouer. Et du coup, on part à l'aventure à travers tous les mondes des dragons pour libérer nos copains et ramasser les trésors. En cela dedans, c'est le monde, le premier monde. Et directement, on va libérer le tout premier dragon, Nestor. Et en fait, chaque dragon va nous donner des conseils ou ouais, des petits conseils ou des petites astuces quoi, et puis ça sauvegarde aussi la plateforme à chaque fois qu'il y a un dragon. On sauvegarde là où il est. Trouve d'abord les dragons, c'est tout ce que je peux te dire. Voilà, Kangoo nous dit trouve les dragons, c'est tout ce que je peux te dire. Et donc là on est dans ce grand monde, et en fait dans chaque monde il y a des portails, et chaque portail t'amène vers un niveau. Donc le monde en lui-même est un petit niveau, à laquelle dans l'intérieur il y a plusieurs portails avec indépendant chacun quoi. Là c'est tout probablement très très coloré. On voit qu'il y a des joyaux un peu partout, il y a des moutons. Alors là je pourrais en profiter pour parler un petit peu du jeu. Je vais galérer à faire cette plateforme, je vais prendre 10 ans. Donc Spyro c'est un jeu que moi j'ai découvert quand j'étais tout petit, genre 5 ans sur la PS1. J'avais commencé par le 3 et ensuite j'ai pu jouer au 1 grâce à mon cousin qui avait le jeu. Et donc le Spyro 1 et le 3 c'est vraiment un Spyro que j'ai squatté, que j'ai fait et refait des dizaines de fois, peut-être au moins 10 fois je pense. Vraiment un gros jeu de l'enfance, un gros coup de cœur. Et que je connais très 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 bien du coup. On peut voir du coup c'est très très coloré. Ça rend super bien les graphismes qu'ils ont fait, enfin le travail qu'ils ont effectué sur la remasterisation quoi. Et bon, il va falloir que j'arrive à monter cette... à réussir à aller sur cette plateforme. C'est pas
je vais y arriver. Je sais plus combien j'ai mis de tentatives. Il me semble que j'ai pris bien 5 minutes. Faut savoir que je joue sur une très très grande télé avec un canapé. J'étais beaucoup trop près de la télé. Et aussi la télé beaucoup trop trop haute par rapport à où je suis assis. En fait, la télé est tellement grande que je n'avais pas de meuble pour. Enfin, je n'ai pas de meuble pour la mettre dessus. Ce qui fait que je l'ai mis sur une table. Et du coup, c'est pas du tout adapté. La télé est beaucoup trop haute. Déjà que c'est une très grande télé. Alors en plus, sur une table. Ce qui fait que c'est pas adapté. Elle est trop haute. Ah, voilà, on a enfin réussi. Et du coup, on peut voir, il y a des joyaux. Et c'est à l'intérieur de. À l'intérieur des petits coffres ou des petits pots qu'il y a des joyaux. Et aussi, il y en a par terre, évidemment. Sur 100 dans le monde des artisans. Et après, donc il y a les niveaux dans chaque monde. Ça, on va voir après. D'abord, là, je ramasse tous les joyaux du monde pour avoir les 100 joyaux. Finir le monde à 100%. Et après, on passe au niveau. On passe les petits joyaux tranquillement. Donc, lui, c'est en fait, c'est le mec qui nous amène dans les autres mondes. Donc, il faut avoir rempli un certain nombre de conditions. Donc, lui, il faut l'avoir libéré, je crois, 10 dragons. Pour qu'ils puissent nous emmener dans le prochain monde. Alors au niveau des joyaux. Donc là attendez, il y a un petit ennemi qui court. Les ennemis dans le monde, tout premier monde, ne font pas de dégâts. Ils vous attaquent pas. Ça sera après quand on rentrera dans le niveau. Mais là c'est vraiment le didactaciel quoi. Et voilà, il est tombé. Et il lâche ton sac. C'est un jeu de plateforme en même temps, d'aventure je dirais, surtout de fun et de détente. Je suis vraiment le tour pour voir si j'ai rien loupé. Il y a un dragon, je ramasse les petits joyaux. Le deuxième dragon juste ici. Lui s'appelle Delpin. Oui, Gnastic Nork, je vais lui faire sa fête. Ne t'emballe pas, Spion. Beaucoup à apprendre avant. Ils ont refait le. Tu sais ce que fabrique la libellule qui te suit? Ouais, il nous explique. Il s'appelle Sparks et il est là pour t'aider et te protéger. Garde un œil sur lui et tu comprendras. Là, il nous dit brièvement que la libellule en fait sert à nous protéger. En fait, la libellule qu'on voit à côté là, elle prend les coups à notre place. Donc, ça, c'est la petite fille qui nous permet de sauvegarder aussi. C'est un niveau que je ferai à la toute fin du gameplay parce que c'est des niveaux de course en fait et c'est assez chiant. Donc là, vous voyez, j'ai pris un joyau bleu, il m'a fait 5 points sur 100. Je pense que je vais aller directement dans le premier niveau. Quoique, j'ai pas fini le monde encore. Je vais voir un petit peu là-bas s'il n'y a pas de joyaux. Donc les
ce monde est Chloé, là, c'est gros. Dans la gueule du dragon. Mais tu n'es pas encore prêt. Attends, moi j'ai une pastèque. Tu dois d'abord terminer une autre zone du monde des artisans. Donc là, il vient de nous dire que derrière... Pardon. Il vient de réveiller derrière cette porte de dragon. Il nous dit qu'il y a le boss de ce monde. Mais pour l'ouvrir... Vous avez vu le bouton, il perd toute sa laine quand tu... Qu'ils ont rajouté, enfin ils les ont changés quoi. Et du coup, pour ouvrir cette porte et atteindre le premier boss de ce monde, il faut d'abord qu'on termine de des artisans. Donc c'est ce qu'on va aller faire tout de suite, une fois qu'on aura ramassé tous les joyaux de ce monde. Avec son petit... N'aie pas peur. Peur? De quoi? De tomber des pics de montagne pour t'écraser sur des glaciers préhistoriques? Oh, de ça? Ouais, il me s'est dit en fait on peut appuyer deux fois sur croix pour faire un peu plus au plus haut. Et après on peut planer aussi. Les petits joyaux dans le coin, là il y a encore un mec avec un sac. Vas-y, rends-moi ma thune. Il nous fait courir ce con. C'est la vidéo parce que...
n'étais pas sûr que tu avais échappé à ces agaçantes petites créatures. Moi, je ne les crains pas, mais voilà un conseil. Leur armure en métal les protège contre le feu, mais une charge t'en débarrassera. Ouais, il nous a juste dit, les armures en métal les protègent contre le feu, mais une charge vous en débarrassera. Utilise action quand tu veux zoomer pour regarder autour de toi. Oh, ton secret est bien gardé avec moi. Putain, je vais tomber en faisant une roulade. Hop, quand elle fait ça, la petite fait, c'est que ça sauvegarde en fait. Je fais des petites roulades. Petit joyau. Hop, la clé. Ça, c'est la clé qui nous permet d'ouvrir le coffre qu'on a vu au début. On n'oublie pas ce joyau-là. Tu ne peux pas charger les grands ennemis comme ce Gnork avec un gourdin. Mais tes flammes, ça devrait faire l'affaire. Ouais, ce que j'ai dit, il a dit qu'on pouvait pas charger les gros ennemis, qu'on pouvait juste les avoir avec en leur crachant du feu dessus. Et il me manque. Ah, c'est bon, on a tout. Voilà. Il faut terminer à 100%, on peut repartir. Déjà 20 minutes.
comme ça, Clay, on peut que les savoir en les chargeant. Hop. Et on le libère. Lindar. Quand tu libères un dragon ou quand tu montes sur l'une de leurs plateformes, tes progrès sont sauvegardés. Cela peut être utile en cas de problème. Encore que ça ne risque pas de t'arriver, Spyro. Ouais, nous a juste dit quand on libère un dragon et qu'on se met sur la plateforme. Enfin, quand on est à côté, quoi. Ça sauvegarde la progression. Alors, ce côté-là, c'est fait. Attention. Ah non, c'est ici. Un petit pilier qui garde l'entrée. On ramasse. Ce drôle de vortex, machinot. Mais il te ramènera au monde des artisans. Mais laisse-moi d'abord te raconter une... C'est aussi le... Non merci, au revoir. Voilà, il a envoyé chier. Il nous dit juste que quand on a libéré tous les dragons, on prend ce portail là et on repart dans le monde des artisans. Mais ouais, d'ailleurs, c'est le Spyro le moins long des trois, du coup c'est le premier. Forcément, c'est là où on pose les bases de tout. Le plus complet aussi. Il joue avec son bâton. Ouais, généralement, tous les ennemis sont trollés, ils sont tous là. C'est marrant quoi, c'est pas violent, c'est tranquille. Pour planer ? Bien sûr ! Pour planer plus loin, appuie sur sauter au sommet de ton saut et essaye d'appuyer sur action pour retomber en cours de vol. Il nous a dit que pour planer, une fois qu'on saute, qu'on est en haut de notre saut, on rappuie sur croix et du coup on va planer. Je complète. En hauteur. C'est un moment. Il y a tout un endroit sur le côté où il y a plein de joyaux et tout quoi. Alors là, la sorcière, qu'est-ce que c'est? Pas les voleurs ou les sorcières. Ça, c'est les personnes qui ont volé les œufs de dragon en fait. Et en gros, il faut leur courir après. Tu leur craches du feu dessus. Ou alors tu leur fonces dedans. Mais le plus simple, c'est leur cracher du feu. Vu que t'as plus de portée quoi. Et du coup, tu récupères. C'est accessible.
petit coffre derrière. Je sais pas où je vais. Ah oui, dans le puits. Je vais pas aller encore voir. Il y a un dragon. Un dragon avec un coffre. On n'a pas la clé. Surveille la libellule, Spiro. Sa couleur indique sa puissance. Lorsqu'il mange des papillons, il devient plus fort, comme moi. Ok. J'ai même pas vu qu'il avait un putain de tatouage. Alors le coffre, il faut qu'on trouve la clé. Il nous a juste dit ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la couleur de la libellule indique le nombre de coups que tu peux te prendre avant de mourir, quoi. Alors, ah non, je peux me souvenir qu'il y avait un endroit secret en dessous.
Commence par planer pour explorer la zone des taureaux. Regarde bien autour de toi. Il est en train de faire une sculpture de nous. Attention, les taureaux. Donc on peut pas les... Je crois pas qu'on puisse les charger. Moi j'ai pas essayé. Alors ça c'est les petits. En fait il faut souffler dessus du feu pour que le joyau sorte de... Savais-tu que tu pouvais planer plus loin en appuyant sur sauter au sommet de ton saut? Il y a un Agnor qui se fait courser par le taureau. Un taureau qui se fait courser en plus. C'est chiant à faire. Je vais d'abord aller libérer le dragon. Avlar. Un barbecue. As-tu vu quelqu'un habillé en bleu dans les environs? C'est un voleur qui a dérobé un œuf de dragon. Tu dois le retrouver et récupérer l'œuf. Cours, cours. Je suis un peu fatigué. On peut voir sur ça que y a des fruits qu'il a piqués, genre. Y a des saucisses et tout. Ils sont vraiment refaits tous les dragons et tout. Parce que moi c'était plus ou moins pareil. Donc là en fait on peut voir, si on a bien fait gaffe, on voit qu'au-dessus il y avait un autre dragon. Donc il faut qu'on arrive à trouver comment on monte au niveau au-dessus du niveau. Et en fait c'est tout simplement en réussissant ce saut qui est un petit peu chiant vu qu'on voit. Comme il faut. En gros, c'est un peu une partie secrète du niveau, quoi, mais.
toujours consulter ta progression en accédant au carnet via le menu pause. Il reste plus qu'à aller chercher l'œuf de dragon volé. Où elle est cette petite? Ok. Qu'est-ce qu'elle foutait? Pas compris ce qu'elle foutait là. Voilà, il faut terminer à 100%. Il ne reste plus que le boss du monde. Et on aura fait tous les trucs. Sauf la mission de la vie de la... le niveau de course. Mais ça, je le ferai dans une seule et même vidéo vu que c'était niveau assez chiant. Juste que je retrouve là le portail pour repartir. Juste là, un retour à la maison. Et voilà. On va pouvoir voir le premier boss. Stignork a nommé l'un de ses pires hommes de main pour s'occuper du monde des artisans. Qu'ils viennent! Je crois qu'on va faire un barbecue! Fais attention, Spyro. Tosti a plus d'un tour dans sa manche. Allez, le premier boss. C'est un épouvantail. Avec un chapeau de sorcier. Enfin, avec un chapeau. Et il y a des chiens. Sale, il y a un chien. Hop.
je ne sais